Biscotte, alors tout d'abord, bravo pour ton match. Merci. Quels sont tes sentiments après ce 2-partout? Non, mes sentiments, d'abord, j'ai marqué des billes. Et puis les deux parties, c'était vos matchs. Donc, pour nous, local, j'espère qu'on va continuer comme ça pour la suite du championnat. Le deuxième but, est-ce que tu fais exprès de la mettre au fond? Bon, pas exprès, mais normalement, c'est l'arbitre et c'est le maître du terrain. Moi, j'ai mis la tête et puis ça passait par la main, donc ça arrive dans les foot. Hein. Tu la touches de la main, donc? Ouais, je la touche de la main. D'accord, ouais. Par contre, le premier but est magnifique, hein, il ne doit rien à personne. Le premier but, c'est une belle effort. Par rapport à ta carrière, pour l'instant, tu es à Le Carnot, tu jouais à l'époque à Yverdon et à Guetzé. Ouais, c'est des étapes par étapes. Pour l'instant, je suis à Le Carnot. Je dois continuer à bosser, à travailler, comme je fais ce soir, et puis pour la suite. Qu'est-ce que tu as pensé du Lausanne Sport ce soir? Ouais, ils étaient en place, ils ont marqué 2 buts, donc ils ont fait l'essentiel. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent jouer les premiers rôles cette saison? Ouais, s'ils continuent comme ça, sérieux, je pense qu'ils peuvent jouer la coupe. Et puis le FC Le Carnot, pour vous, la saison, ça avance comment? Ouais, pour nous, on cherche à se placer. J'espère qu'il y a trop de jeunes dans notre équipe. Et puis il y a moins de vieux. Et puis tous les deux côtés, on fait l'effort pour faire une bonne cohésion d'équipe. Et puis dernière question, les supporters lausannois, les Rabiosas, vous ont applaudi à la fin du match. On n'a pas tellement compris. Ouais, ça c'est du fair play. Donc on est vraiment très contents du fanatique de Lausanne. Merci Biscotte et puis félicitations à votre gardien. Merci beaucoup, à vous aussi.